Tiens, parce que t'as ici, ici, si t'as assisté un peu plus long, tiens. Avec celle-ci, ici. Voilà. Donc, une fois, tu passes à l'intérieur. Toi, là, ils sont nickel parce qu'ils sont croisés juste. Des fois, quand t'as. Des fois, ils sont comme ça. Très simple, hein, on le croise depuis le milieu, et puis après, une fois devant. Donc, plus il y a de corps qui passe à l'intérieur du nœud, plus la charge, au moment du choc, est répartie sur une grande distance. Tu dois appuyer ici. Tu tenir cette corde. Tu n'as même pas fait de la verrouiller, c'est peut-être de... Toi, tu le tiens déjà. T'inquiète pas pour lui. Je vais tourner le biceps, puis en fait le biceps va écraser l'artère. Puis après, une autre personne peut s'occuper de faire le pansement compressif. La compression se fera en tournant cette partie en plastique dessus. Ne touchez pas le patient. Voilà, tu as fait. C'est à ce moment-là que lui va définir s'il faut choquer ou pas. Il a chargé, maintenant on va pouvoir délivrer le choc. Sur le bouton jaune. C'est pas le sondage qui va être fondamental. Si vous avez localisé la personne, vous sondez, vous touchez quelque chose, vous laissez la sonde en place, vous pensez bien que c'est ça. Il part du relais, il fait 1 mètre, il fait 2 mètres, à ce moment-là, c'est là que la prise casse, on tombe, 4 mètres de chute sur 2 mètres de corde, pas de vie. C'est vraiment le maximum qu'on peut avoir sur le coup. Toujours la gaine de la sonde avant les élèves. Donc je peux, le mousqueton je peux le mettre comme je veux dans ce sens. Parce que dans mon mouflage, je peux le mettre comme ça, en tête de mouflage. Il y a une équipe de bénévoles qui est partante pour aider et qui crée une ambiance. Une quarantaine de médailles d'or. On boira un petit verre de rouge ensemble après. Je vais y en donner deux parce qu'on cherche toujours à fidéliser les jeunes. C'est le seul cours qui est ouvert à tout un chacun.